Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite suite de mon let's play sur Sword Art Online Holo Fragment. On est parti du coup pour la découverte de l'étage 82 tout simplement. Et dans le dernier épisode j'étais juste rentré dans le donjon, j'ai juste vidé la salle. Et en fait je suis juste sorti et en gros ça me ramène dehors, donc c'est pour ça que je suis plus vraiment dans le donjon. Mais en vrai c'était pas compliqué, il fallait juste vider les salles pour que ça ouvre les portes. Donc bon, montrer ça c'est pas non plus super intéressant, je le dis juste. Mais du coup il y avait juste une seule porte qui me ramène là où je vais vous présenter maintenant, donc on est parti. Ok, donc là comme je vous disais, on est dehors, on est... l'entrée est juste ici, hein, donc... on a même le TP ici qui va pouvoir me permettre maintenant de jongler entre les deux... là, y a rien. Je voulais dire entre les deux trucs, hein, entre les deux téléportations pour pouvoir j'arrive plus à parler, pour sortir d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Y a la même chose ici, et je me demande si, genre là... Oh, tiens, il y a des trucs à prendre ici, là, parfait, ça. Ah, bah voilà, c'est les fameux items qu'il faut que je cherche. Alors, attendez, je pense qu'il doit y en avoir un autre par... je les ai récoltés vers les fleurs. Donc, ah, bah attendez, il y a une sorte de petit boss en bas, on va essayer de l'affronter. Ça, c'est certainement une quête principale à faire. Enfin, de toute façon, c'est une quête, hein, je veux dire, mais je sais pas si c'est la quête principale... oui, si c'est ça, collecter les machins, donc c'est bien ça. Donc en gros, il faut que je collecte les 5 pour pouvoir débloquer les patterns du méchant. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir affronter le boss, hein, parce que si je fais pas ces quêtes-là, de toute façon, je ne peux pas aller affronter le boss final de... Enfin, le boss de l'étage 82 en tout cas. Donc, je n'ai pas le choix. Ah, il y en a une deuxième ici, parfait. Ok, bon après ça je vais vous éviter tout ça parce que s'il y en a que 2 ou 3 spots, malheureusement ça peut prendre entre 10 et 20 minutes de respawn. Donc forcément quand il y en aura d'autres, alors attendez, on va aller regarder là-bas. Parce que quelque part je me dis qu'il y en a une ici maintenant. Eh ben non, bon, dommage. Bon, attendez, on va se mettre entre les 3 du coup, il y en a un qui est carrément le mec il est venu pour me rejoindre pour voilà. Bon. C'est pas grave, je vais vous enlever le truc où je récolte machin. On va aller directement dans le donjon pour pouvoir, je pense, se débloquer la porte, hein, tout simplement. Hein. Alors, ok, donc c'est bien ça, le truc de la passe verge 4. What? Je peux pas l'ouvrir? Ah merde, pourquoi? Bon, alors du coup, j'ai trouvé la solution, en fait, donc le chemin que j'avais ici... alors en fait c'était pas tout à fait vrai. En gros, donc la porte ici était bloquée parce qu'il fallait y accéder par l'autre côté. Et donc de l'autre côté c'était à la première carte où il y avait le pont. Ce que je savais pas c'est que à côté du pont, donc il y avait une embranchure à droite et à gauche. Moi j'avais pris directement à gauche alors qu'en fait à droite ça nous ramenait ici. Et donc ce mécanisme donc que j'ai activé donc me permet de débloquer la porte de l'autre côté. M'a donc ouvert la voie pour le labyrinthe et donc on va pouvoir avancer parce que du coup j'ai ouvert le truc. Bon, juste malheureusement je n'ai pas le dernier mécanisme, enfin le dernier spot du truc qui me manque parce que... comment ça s'appelle? Oula, dégage-toi. Il me manque encore un truc à collecter mais ça je le ferai après parce que c'est très long, parfois ça prend pas mal de temps, je crois que ça fait au moins 20 minutes déjà que j'attends. Donc bon, c'est pas grave, on va déjà quand même au moins débloquer le chemin du labyrinthe, ce qui va me permettre d'avancer tranquillement pour arriver au moins à la porte du boss, hein, tout simplement. Bon, déjà les archers, ils me cassent les couilles. Ouais, ah bon? Ah bon. Alors, donc, on va pouvoir avancer... Oh, merci. Donc là, normalement, il va y avoir 3 ou 4 étages, comme d'habitude, hein. Je pense certainement que dans le montage, je vais vous en sauter un ou deux, je pense, comme d'habitude. En même temps, ça vous permet comme ça, vous, de débloquer, de découvrir un petit peu aussi les labyrinthes. Moi, je vous montre grosso modo le truc. Alors, attendez. Là, je suis en train de faire carrément tout le tour de ce petit labyrinthe. On va faire ça comme ça, voilà. Dommage parce que là je suis en train de taper en zone
Mais il n'y a que le mec de derrière qui prend la, les dégâts. Donc ça c'est tellement bon. C'est vraiment dommage. Alors attendez, par contre j'ai un truc. Pourquoi est-ce que c'est celle-là qui a le burst? N'importe quoi. Alors attends, attends, Deep Impact. C'est bien ça, c'est le Deep Impact. Alors donc je me disais c'est bizarre quand j'active la compétence, il y a le truc qui ne s'active pas dans le. Vaut mieux prendre une compétence que vous ne mettez pas dans les comment ça s'appelle, dans les trucs, parce que au moins ça vous permet d'activer le bonus capital à la fin des 5 coups, ce qui vous permet ensuite de prendre une compétence que vous ne servez pas pas tout le temps. Donc c'est sûr que si je mettais l'une de mes compétences et puis de cheater, ça pourrait être intéressant. En vrai, je sais pas si je ferais ça pour l'instant. Voilà, je mets une petite compétence, mais qui fait quand même pas mal de dégâts. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi les dégâts ne s'affichent plus? Ah, bah c'est là, c'est bon. Donc voilà, tac. Il y a de fortes chances que je change la technique. Pour pouvoir mettre vraiment une autre plus puissante. Hein. Parfait, là ils sont tous groupés, c'est nickel. Alors pour l'instant, je me suis pas planté dans le chemin. Il y a encore tout plein de trucs à faire. Ah, attendez, hop, voilà, moi je veux. Non, c'est pas celui que je veux, c'est celui-là. Voilà, parfait. Merde, merde, merde. Allez, la zone, reviens, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, là, je crois qu'il n'y a plus de coffre dans cette zone. Comme vous voyez, c'est pour ça que parfois, je montre pas toutes les zones. Parce que là, en gros, vous suivez juste le chemin, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans un labyrinthe. Hein. Plutôt que... Je préfère vous expliquer ce qu'il y a dehors, avec les petits trucs, les petits passages, les petits machins, parfois des quêtes à accomplir. Plutôt que, tout simplement, de vous montrer toutes les routes. L'autre, il est pas venu magro? Ah bah non. Il n'est pas venu. Voilà, parfait. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, en fait c'est le chemin de l'autre côté, d'accord. Hop, on va attaquer celui-là, l'archer. Parfait, normalement ils sont suffisamment prêts pour que je les touche. Parfait, merci beaucoup. Un petit coffre, c'est bien en plus, ils sont très généreux en coffre. Hein. Donc ça, ça permet quand même d'avoir pas mal de ressources. Hop, viens là, je t'aggro. Et merde. Oh, t'es sérieux, je touche d'ici? Je suis même pas dessus, what the fuck? Ok. D'accord. Bon, bah merci beaucoup pour tout ça, c'est marrant. Hop, vas-y, venez là, viens là. Parfait, merci. Ça, c'est parfait. Quand j'attaque l'archer, c'est parfait, parce que du coup, les autres au corps à corps, ils viennent direct sur ma gueule. Et donc, ça, c'est nickel. Bon, attendez, là, on va passer devant tout le monde. Toi, tu viens là. Toi, je passe devant toi. Et toi, je t'aggro. Voilà, c'est parti. Merde, je me suis planté. J'aurais pas dû mettre la grosse attaque sur lui, c'est pas grave. Au pire, j'ai celle-là, la compétence. C'est dommage qu'il n'y ait que deux compétences d'AOE et l'autre vraiment est pas terrible parce qu'il faut être au corps à corps et tout, donc c'est pas, c'est franchement pas l'idéal. Bon, l'archer, hop. Nickel. Ah merde, j'ai pas la compétence disponible. Ah ça y est, c'est bon. Ensuite toi, on va te mettre le petit radical shine. Voilà. Ah oui d'accord, c'est une compétence à 15 coups, j'avais pas fait gaffe, c'est pas grave. Mine de rien, là je suis bientôt au niveau 900, encore 100 levels et ça va vraiment chier, hein, parce que je vais avoir l'attaque de l'éclipse et c'est vrai que déjà sur le niveau de... Enfin sur Holo Fragment, Holo Realization, c'était déjà une attaque qui faisait vraiment très très mal, donc... Ok, là franchement c'est pas compliqué comme labyrinthe, on suit le chemin et basta quoi. Bon, du coup, je vous ai juste passé cette salle qui ressemble à ça, donc c'est celle de juste après. Normalement, parce que tout simplement, normalement, le prochain, c'est censé être celui où ils vont me montrer la boss... Enfin, le...
voilà, la porte du boss, hein. Donc, moi, entre-temps, je vais faire comme d'habitude, donc je vais aller jusqu'au bout, bien entendu. Mais je vais donc vous passer les fameux dialogues, parce qu'il y en aura peut-être... c'est vrai que le dernier étage, je n'avais pas eu, mais par contre, il faut que j'aille chercher déjà la dernière ressource, parce que je pourrais pas affronter le boss d'ici là, sinon je serai dans la mouise pour pouvoir affronter le boss. Tant que je n'ai pas cette compétence... Enfin, tant que j'ai pas ce truc à collecter, de toute façon, je suis foutu. Donc, on va vous couper tout ça. Bon, du coup, je suis en train d'emmener la petite Lisbeth dans mon lit, donc on va voir ce que ça peut donner. のことだから怒っても、ちゃんと説明すれば分かってくれるとは思うけど、多分。ダメ。しょうがないわね。 あと少しなら寄ってもいいわよ。1センチくらいなら。だったらもう好きなだけ近づけば。 これだけ近づいたところでキリトが何かするなんて思えないし、私たち友達同士だもんね。って、そうだよね。友達なんだよね。友達同士だからキリトが私を意識するなんてことあるはずない。 Bon bah du coup ça n'a pas été très long, hein. J'ai été rendre la quête, tout simplement parce que j'ai été chercher le truc. Et donc je viens de lancer le truc pour le boss, alors on va lancer ça tout de suite. Donc je vais juste planquer ma cam. Oh oh! D'accord, une espèce de golem géant, ok. Quelque chose me dit qu'il va avoir beaucoup de points de vie, là. Ouais, le grand Legacy. Ouais, quelque chose me dit qu'il va y avoir pas mal de points de vie et tout ça, là. Alors, attendez, hop, on va passer ça, voilà. On passe ça, hop, je switch. Voilà, comme ça, c'est pas moi qui ai l'adresse. Oula. Vite, 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 il faut que je stun. Aïe, 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 aïe. Mais n'y allez pas comme un con. Bon, en plus, j'ai claqué mon stun, je suis un peu deg. Ouais, il a l'air d'avoir masse points de vie, là, je lui fais pas grand-chose en dégâts, ça va être la merde, hein. Ok, pourquoi c'est moi qui ai l'aggro, là? Oh, le bâtard, il m'a stun, je peux plus bouger. Oh, c'est... Non, je vais prendre tempête, Je peux pas bouger. Mais ta sœur, là... Sans déconner, là. Switch. Voilà, c'est bon. Ah, mais son truc de paralysation, c'est horrible, sans déconner, là. Je ne peux de nouveau plus bouger.
Je crois que c'est bon. J'ai pu récupérer le truc, voilà. Ah, mais là, c'est clairement la merde. Hein. Les boss comme ça, là, c'est chiant de ouf. Il faut que je fasse attention. Vite, le stun. Oh, ça lui a rien fait. Switch. Bougez-vous, bougez-vous. Bande de cons. Hein. Ces mecs-là qui restent dans le truc, quoi, c'est... C'est vrai que pour ça, l'intelligence artificielle, bon, c'est pas l'idéal. Hein. Allez, le petit Starburst Stream fait un petit peu de dégâts, s'il te plaît. Ok, ok. Ah, il a quand même pas mal de points de vie, là. Hein. En même temps, je m'en suis douté, vu le bordel que c'était. Je sais pas s'il y a des debuffs ou quoi que ce soit dans le jeu. Honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée pour ça, par contre. Oula, vite le stun. Non. Ça va, heureusement. Ça m'a pas fait masse de dégâts, donc ça peut aller. Par contre, le truc avec le stun, je vais bientôt être stun, là, je crois. Ah, ça va me saouler. En plus, faut que je fasse gaffe, parce que... J'avais, dans le dernier épisode, j'avais perdu quelqu'un, en plus, donc... Et je peux plus attaquer, là. Mais c'est de la merde. Je peux plus bouger, encore. Je peux plus bouger. Ah, mais c'est un... Ah, c'est horrible, ce truc. En vrai, je sais pas s'il y a des anti-stun ou quoi, ce genre de truc, dans les compétences passives, mais vraiment, faut que j'essaie de trouver ça, hein, parce que c'est vraiment cancer. Hein. Vite le stun, je vais essayer de le placer. Merde, 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 ça passe pas. Mais bougez-vous, là. Allez, bon, je vais essayer de faire le masse de dégâts. Ah, ça, c'est pas ouf, hein. Oula, oula, 8. Est-ce que je peux leur demander de... Est-ce que je peux leur donner des ordres, genre? 8, défense, défense. Ah, ok, go, c'est parti, d'accord. Le boulet, je viens de voir maintenant que je peux leur donner des ordres. Donc j'aurais pu faire que des rangs S. Oh, bordel. Bah ouais, je savais pas ça, moi. Oh, le délire. Mais laisse-moi ça. Vite, les gars, on se recule. Recule. Oui, voilà. Ok, c'est parti, on rattaque. Bah voilà, bah maintenant ça se passe 10 fois mieux si je savais ça. Oula, 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 oula. Barrez-vous, barrez-vous. Allez, go, on attaque, c'est parti. Non, 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 on recule. Recule. Bon, c'est pas grave. Allez, on attaque maintenant, c'est bon. On va essayer de le terminer maintenant. Ah, parce que moi, comme un con, ils attaquaient. Et c'est pour ça que j'ai perdu quelqu'un, quoi. Donc bon. Ah, vite le stun. Ok, ça marche pas. Ouh. Oh là 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 là. Hop, on va se soigner avec ma compétence. Oula, ça pue, ça pue. Eh, mais je suis baisé. Oh, je sais pas comment j'ai fait là. Hein. Un petit Starburst Stream pour le finir, allez. On passe tous à l'attaque, les gars, vite. Voilà. Arrête de faire ton fou. Ben voilà, mais ça se passe 10 fois mieux maintenant que je peux leur donner des ordres. J'ai eu un rang A. Pourquoi? J'ai perdu beaucoup de points de vie. En vrai, je sais même pas d'ailleurs à quoi ça sert d'avoir des rangs, quoi. Je sais pas si, je crois même pas que je peux refaire les boss après, donc... parce que je suis déjà retourné sur les salles des boss, et il y avait que dalle, malheureusement. Donc, bon, s'il y a un trophée pour avoir que des rangs S, bah, pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Bon, bah, du coup, on va aller découvrir la zone du 83e étage. Mais de rien, j'avance plutôt pas mal, je trouve, hein. Clairement, je me dis que j'aurais fini le jeu avant la sortie du prochain Licorice,
qui, pour le coup, j'attends énormément. Ah, tiens, on a un truc avec une quête. Qu'est-ce avec qui, là, exactement? C'est vrai que c'est le genre de truc... Ah bah, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, on va voir à quoi ressemble ce 83e étage. C'est vrai que, mine de rien, j'avance pas trop mal, là. On est... chaque vidéo, je fais un étage. Donc, il reste encore au moins 17... au moins 17 vidéos. Au moins, parce que, bon, ça fait quoi? Entre 20, 30 minutes, ça dépend. Bon, c'est un peu basique, là. Je m'attendais à autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas trop de trucs, genre dans la neige, par exemple, pour l'instant. J'espère qu'il y en aura, ça peut être sympa pour changer. Alors, oh, il y a des crabes. Il y a des fraîches crabes. Moi, j'ai tué l'autre en même temps, d'accord. Oh, il y a un maman crabe, là. Bonjour, maman crabe. Ouais, niveau 100, il est niveau 100, hein. Ça monte, hein. C'est vrai que là, il va falloir que j'essaie de me recrafter une autre épée de niveau plus 13, si je peux. Ça peut être un truc de fou, genre même plus 14 ou plus 15, ça peut être un truc de fou. Bah là, en fait, il n'y a rien ici, il n'y a vraiment que dalle. Bon, on va quand même regarder l'autre zone, parce que bon, on a fait vite fait, on a déjà fait le tour, quoi. Alors... Ah. Une petite forêt, c'est vrai que ça fait longtemps, ça, la petite forêt, ça. D'accord, bon. Ah bah attendez, on va finir l'épisode sur le petit coffre qui est ici. On va buter ces deux merdes, là. Voilà. Allez, barrez-vous. Un coffre noir. Donne-moi des ressources. Ah, voilà, ça, c'est parfait. Je vais pouvoir me crafter. J'espère que je pourrais m'en recrafter une autre de plus 13 ou de plus 14. Ça serait un truc de ouf. Bon ben voilà, du coup nous sommes arrivés à la fin de ce petit épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, on se retrouvera donc pour le prochain épisode, hein, l'étage 83, je sais plus, moi aussi c'est ça, l'étage 83, donc on se dit d'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.